Allez, salut YouTube, c'est Rookster, nouvelle vidéo avec Billy sur Dead by Daylight avec un build eh bien, qui va favoriser l'utilisation de votre tronçonneuse, du slowdown passif et un petit peu d'endgame, c'est parti. À partir sur rejeton de l'ombre du spectre qui fait que votre champ de vision est supérieur à la normale de 15 degrés. Sans issue du farceur qui fait que lorsque vous allez ou qu'un survivant a un crochet, vous allez gagner un jeton. Une fois les portes de sortie alimentées, cette compétence active. Et donc, lorsqu'un survivant tente d'ouvrir les portes, vous avez une notification sonore qui vous indique la porte eh bien, en question. L'entité bloque les interrupteur des portes de sortie pendant 12 secondes plus 12 secondes supplémentaires pour chaque jeton. Vous allez prendre le déboussolé du clown qui fait que votre vitesse lors d'un saut d'obstacle est 15% plus rapide et lorsque vous faites cette action, eh bien l'entité bloque le lieu pendant 16 secondes, un seul lieu à la fois et ça n'affecte pas les palettes. Enfin, vous allez prendre l'impasse du cénobite qui fait que lorsqu'un générateur est réparé, l'entité va bloquer le générateur avec la meilleure progression pendant 30 secondes et vous verrez son aura en blanc. Les add-ons classiques, botte à papa qui va augmenter de 28% la vitesse de rotation d'attaque ruée et les gravures de la mort, donc qui vont augmenter la vitesse d'attaque de mouvement ruée de 20%, le temps requis pour charger la tronçonneuse de 12% et qui vont réduire de 14% la chaleur produite en chargeant votre tronçonneuse. L'idée dans ce build est simple, avec les deux add-ons plus le rejeton de l'ombre, vous allez pouvoir utiliser un maximum votre tronçonneuse et faire des mouvements vraiment des grosses curves qui vont pouvoir surprendre les survivants. C'est un gameplay qui est pas forcément très facile à prendre en main, donc n'hésitez pas si jamais vous préférez prendre des add-ons qui ont moins et bien de vitesse de mouvement donc d'attaque ruée, c'est tout à fait possible, par exemple les gravures jaunes. Là, sans issue, essayez de hook au moins une fois chaque survivant durant la partie pour vous assurer donc une fin de partie et bien qui vous permettrait de renverser la game. Je rappelle, donc un jeton par survivant, donc 12 x 4 pour voir avoir une minute donc au total en fin de partie où les survivants ne pourront tout simplement pas ouvrir les portes. Le déboussolé va vous permettre tout simplement de surprendre les survivants dans des loops où il n'y aurait pas de palette. Vous allez pouvoir soit mettre des hits M1, soit tout simplement essayer de mettre le survivant en état critique avec votre tronçonneuse. Petit rappel, ne restez pas focalisé sur votre tronçonneuse. La tronçonneuse va vous permettre évidemment de mettre les survivants en état critique, mais si jamais eh bien les survivants jouent très bien avec l'environnement, ils pourraient vous surprendre. N'hésitez pas à faire des fakes ou à tout simplement utiliser votre M1 si vous voyez que le survivant eh bien, joue de manière très très correcte et vous empêchera tout simplement d'utiliser votre tronçonneuse à bon escient. Enfin, l'impasse va faire un slowdown passif donc de la game qui vous permettra eh bien, de faire un maximum de dégâts soit eh bien, durant tout le cours de la partie, soit tout simplement encore une fois avec le sans issue, ce qui vous aura permis de faire un maximum de hook eh bien, durant la partie, de renverser tout simplement à la fin eh bien, la game. Je vous laisse donc découvrir cela, ça se passe sur Badam. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à Twitch du lundi au samedi de 18h à 23h, le petit pouce bleu, la cloche et le plus important, bonne chasse à tous. J'ai essayé Starcraft, bah, j'ai arrêté Starcraft direct parce que sur Starcraft, en 2 minutes, ta game elle est pliée quoi. Merci beaucoup Darky Empereur pour le follow, bienvenue à toi. Allez, c'est parti pour BG. Ok, allez, c'est parti. Tu fais quoi, frérot? Ok, on a vu la Feng. Elle aura pas le temps. Non, t'as pas le temps, je t'ai dit. Elle va passer la fenêtre. Ah merde, putain mec. Non, il a pas paniqué, c'est juste que... Il a voulu se faire safe flash par sa pote et... Oh dommage. Et... What? Ah dommage. Ah j'ai voulu la surprendre du coup en slide. C'est qui fait de la merde, moi? C'est à moi que tu parles, la boobie? Ok, nice. Oh, bien joué, ça. Elle est pas mauvaise, hein, non? Bon, après, moi, je joue vraiment Billy
pour le plaisir de tronçon, hein, les gars. Il n'y a pas de, y a aucun tryhard. Billy, pour moi, c'est tronçon, quoi. On essaye de faire de la tronçon, bien évidemment. Après, le M1, c'est bien aussi. Hein. Attention, faut pas... Ok, on a vu quelqu'un. Voilà, ok. On va le ramasser, hein, puisqu'apparemment... On sait qu'elle est là. Ils veulent tous safe flash, en fait. Ils veulent absolument tous safe flash. C'est une team, du coup. On va la ramasser, elle. On va la ramasser. D'accord. On va aller, du coup, la mettre là-bas. À part si l'autre, il arrive avec sa caisse à outils. Non? Ok. On va partir comme ça. Oh, frérot! Mais j'ai failli te découper en tranches, quoi! J'ai failli te découper en tranches, mon pote! La petite tranche, là, de... Okay. La petite tranche de jambin. Elle est où? Bon allez, on va y aller. Là-bas, il n'y a plus de palette en vrai. Ah si, encore la palette ici. Parfait. Nickel. On est pas mal, donc on va avoir le troisième jeton du coup de sans issue. J'adore Billy, hein. C'est vraiment un tueur qui est trop bien, ce tueur. C'est une dinguerie ce tueur. Hein. Ok, on est pas mal. Ouais, mais Billy, c'est la sensation qu'il y a avec Billy quand tu joues. Par contre, la sensation que j'ai eue là en heurtant la barrière, elle était vraiment pas à mon goût. Hein. Ok, on a Monsieur Cage. Ok, Monsieur Cage, du coup. Ok, j'ai raté. Ok, il a sauté ou pas? Ok, parfait. Fusion. Parfait. T'es mort. Ok, donc là on est pas mal. Merci beaucoup, Mali. Si tu savais à quel point... Si tu savais à quel point ce que tu dis, ça me fait plaisir, Mali. C'est beau, Mali. Oh, bien joué, ça, hein. Non, j'ai déchiré le sapin. Je lui ai fait sa fête au sapin. Ok. J'ai pas envie de jouer là-bas. En vrai, on a un trigène. Ils se sont trigènes, tu vois. Donc là, en l'occurrence, ils se sont complètement trigènes. Ok. Donc là, en fait. On va essayer un truc. Ah, dommage, je l'ai raté. Je savais qu'elle allait revenir ici. Je savais qu'elle allait revenir ici, c'était obligé. Ok. Donc là, on va utiliser du M1. Ok, parfait. Donc ça, c'est pas forcément bien joué de sa part à la Feng. Ok, nickel. Là,
Parfait. Donc je rappelle, hein, n'oubliez pas, ne forcez pas forcément sur le M1. C'est pas forcément la meilleure des solutions de forcer sur du M1. Vous avez votre... du M2, pardon, vous avez votre M1. Ça fait le taffé. Ça fait le taffé. Ça fait le café. Voilà. En vrai, on est pas mal, hein, pour le coup. J'ai pas été vérifier ce gène-là, mais... non, on est bien. Hein. On a la Feng, du coup. Intéressant. Ok, la Feng, elle est là. Quoi ? Ok, parfait. J'ai pas compris pourquoi. Ça pisse le sang sur mon écran. Ça pisse le sang sur mon écran. Ça pisse le sang sur mon écran. Ok. Là, franchement, je suis vraiment bien pour le coup. Non, je suis pas bien du tout en fait. Ok, je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout. Non, là. Ah, purée. Bien joué. Ils m'ont déchiré mes gènes. Ils m'ont déchiré mes gènes. Purée, dommage, j'avais. Ils avaient. Ok, parfait. Donc, soit il y va et du coup. Ok, on va lui remettre de la pression à elle. Nickel. En vrai, si j'arrive à maintenir la pression comme ça. Parfait. Ok, là, elle est morte. Nickel. Parfait. Oh, j'ai réussi à leur mettre de la pression de ouf. Et ça s'appelle un... Ça s'appelle un pilier, frérot. Ok, c'est bon. Impeccable. Nickel. Ah, il a effusion. Purée mousseline. Et bah lui, on va le slug, du coup. Puisqu'on ne peut pas le hook. Donc, on va le slug. Hop, on se prend pas la tête. D'ailleurs, on va même revenir parce que je pense qu'elle va vouloir venir le heal. On va taper le gène, au cas où. En fait, c'est une perk qui lui permet de, t'sais, de gigoter comme un dingue, tu vois. Et je vais pas pouvoir l'accrocher. Et en l'occurrence, eh bien là, sur la zone où il est... Sur la zone où il est, je ne peux pas l'accrocher, il n'y a plus de crochet, tu vois. Il n'y a plus de crochet, il le sait très bien, il s'est mis là-bas exprès. Donc, comme il n'y a pas de crochet, eh ben, je vais le laisser tout simplement se vider. Voilà. On va pas se prendre la tête, hein. De toute façon, c'est une team, hein. Ils ont choisi leur map. Ils ont bien joué. Mais, en vrai, si j'arrive à choper la Daniel Barky, là... Et voilà, Sancta Sanctorum, je peux pas le... Voilà, il a, à mon avis, lui, il a le build anti-slug, du coup. Ah non, pardon, il y a notre collègue, du coup... elle a fait pour ça. Elle a fait pour ça, du coup, parce qu'elle lui a mis le Boro. Lui, il va se remettre là. Parce qu'il sait que je peux pas, du coup, le... que je ne peux pas, du coup, le hook. Donc là, elle a fait pour ça, la... comment dire? Je sais même pas qui c'est, elle, là. Zarina, voilà. Zarina a fait pour ça, puisqu'en fait, quand, du coup, elle a fini de heal, eh bien, le H, elle a un effet, donc, d'endurance. Et c'est pour ça, en fait, que quand je l'ai tapé avec le marteau, eh bien, je l'ai pas... ok, elle est là-bas, nickel, c'est bon. Allez, ça va se terminer là. Parfait. Elle va vouloir retourner le heal. Mais elle, elle a pas du coup Ok. On met du coup le bamboozle. Elle va vouloir du coup lui mettre. Ah non, si,
Faut pas. Voilà. C'est bon. Impec. Allez, zou. Et elle, par contre, j'aurai le temps de la hook, tu vois. Elle, je vais avoir le temps de la hook. Mais lui, avec son effusion, je peux pas. Bon, c'était une belle game, en vrai, hein. Let's go. Ouais, voilà, regarde, t'as vu? Il se met là, en fait, il se met là, du coup, pour pas que je le hook, en fait. J'ai aucune possibilité de le hook. Donc, on va le laisser, du coup, bah, mourir. Tout simplement, on va le laisser mourir. Hein. Ouais, mais c'est chiant, tu vois, parce que en vrai... Autant, tu vois, là, autant quand t'as pas le choix, et que, enfin, quand t'as le choix, tu vois, et que tu le fais, c'est chiant, enfin, c'est moche, tu vois. Mais là, en l'occurrence, j'ai pas le choix, en fait. Parce que le mec ne veut tout simplement pas se faire hook, en fait, donc j'ai pas le choix. Bah oui, de toute façon, ils ont... Ils ont perdu, et c'est dommage. Vous avez vu, vous pouvez ricocher hein, sur plein de surfaces avec Billy. Hein. Les tonneaux, vous avez les mouvements de pierre, vous avez les voitures. Vous pouvez vraiment ricocher sur plein de trucs avec Billy.